Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner mon gars tout de suite si jamais ce n'est pas encore fait. D'accord? Mets-moi la petite cloche, là, digue digue dong. Ok? Si jamais tu es coach, consultant, d'accord, que tu as une expertise dans l'immobilier, dans le trading, dans les relations, dans la santé, les gars, j'ai une masterclass pour vous. D'accord? Elle est offerte, elle est cadeau. Il n'y a rien à vendre dans la masterclass. C'est juste du contenu, c'est juste de la valeur. C'est les stratégies exactement que j'utilise avec mes clients qui leur a permis de faire. Il y en a un qui a fait 86 000 $ en un mois. Il y en a qui ont fait 10 000 € en un mois. Il y en a qui ont fait 6 000 € en deux semaines. Tu as toutes les stratégies, d'accord? Tu as juste à cliquer. D'accord? Et si tu doutes des résultats, il y a les témoignages dans ma playlist. Donc voilà, tu n'as pas d'excuses. Maintenant que les formalités sont faites, les gars. Passons directement au sujet de la vidéo. Les 5 mythes les plus courants au sujet de comment devenir millionnaire. Ok, donc on sait très bien que si jamais il n'y avait pas de mythes, il n'y avait pas de gens qui entretenaient des fausses croyances, d'accord, il y aurait beaucoup plus de millionnaires, il y aurait beaucoup plus de personnes qui s'enrichiraient, il y aurait beaucoup plus de personnes qui seraient riches. Ok, c'est pour ça que 97% des gens sont pauvres. Donc si jamais tu commences à écouter les mythes au sujet de comment devenir millionnaire, qui souvent, c'est même pas souvent, viennent tout le temps des gens qui sont pauvres, d'accord, c'est pas péjoratif, hein. Pauvre ça ne veut pas dire que tu es méchant ou tu es gentil, comme riche ça ne veut pas dire que tu es méchant ou gentil, d'accord, c'est juste un constat, d'accord, c'est une façon de fonctionner. Il y a des actions qui provoquent la pauvreté, il y a des actions qui provoquent la richesse. En gros, si tu écoutes que les gens, donc 87% de la population, tu écoutes de ceux qui pensent pour pouvoir devenir riche, ben mon gars, t'es foutu. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo, d'accord, où je vais te donner exactement les 5 mythes que la plupart des gens pensent qu'il faut pour pouvoir devenir millionnaire. Et évidemment, c'est complètement faux. Évidemment. Premier mythe, pour devenir riche, en fait, si le gars il est riche, c'est parce qu'il a hérité. Il a hérité de ses parents ou il a eu un héritage. Ok, donc alors statistiquement, il y a 25% des millionnaires, d'accord, qui ont hérité. Tout le reste, c'est des gens qui se sont fait tout seuls. Voilà. Donc d'où sort ce mythe, on ne sait pas. Donc tu vois, souvent les mythes, je pense, c'est pour les gens, c'est pour qu'ils puissent se donner des excuses. Parce que quand tu te donnes une excuse, ouais, mais de toute façon, on ne peut pas devenir millionnaire, on ne peut pas devenir riche, puisque de toute façon, il faut hériter pour pouvoir devenir riche. Donc ce qui se passe, ça fait quoi? Quand tu penses ça, ben, tu ne passes même pas à l'action. Tu passes même pas à l'action pour pouvoir devenir ou t'enrichir ou devenir millionnaire comme tu veux, tu vois, en fonction de tes objectifs. Tu passes même pas à l'action puisque à quoi ça sert de passer à l'action pour quelque chose que de toute façon ce n'est pas possible. Et donc après tu restes là et tu prends des crédits pour pouvoir t'acheter des choses. Donc les statistiques parlent d'elles-mêmes. Comme dit le philosophe, hein, tu me diras son nom, les hommes mentent mais les chiffres ne mentent pas. Donc mets-moi en commentaire si jamais tu sais de qui ça vient. C'est un gars très, c'est un gros philosophe, grand philosophe, grand philosophe. Deuxième mythe, c'est les millionnaires en fait ont de la chance. C'est-à-dire voilà, ils ont eu de la chance, je sais pas, il a découvert le pétrole, je sais pas, ou Marc il a fait Facebook, c'est un coup de chance, je sais pas, ou les gars qui ont fait Uber, c'est en gros les millionnaires ont eu de la chance, c'est de la chance. Ben non. Non, les millionnaires n'ont pas eu de la chance, ils ont juste travaillé beaucoup plus que toi, souvent dans des choses qui leur passionnent, hein, pour les plus riches. Et ils ont travaillé voilà, le double, le triple, le quadruple d'heures que toi tu feras en une semaine. Bah, eux, ils l'ont fait pendant des années et forcément, à un moment donné, ça a payé. Donc ça, c'est important d'être justement pendant que je vais profiter pour en parler de ça. C'est que souvent, on se dit « Ouais, je vais créer mon business et comme ça, je vais travailler moins, je serai libre. » Ça aussi, c'est du mytho, les gars. Sachez que quand vous allez montrer votre business, vous allez travailler plus que quand vous êtes salarié. Ça, c'est sûr, ça. Vous allez travailler plus et tous les jours en plus, d'accord? En tout cas, dans un premier temps, pour pouvoir mettre en place le business. Mais ça, c'est sûr. C'est pour ça qu'il faut, c'est pour ça qu'on conseille. Après, il y en a qui disent autre, il y en a qui sont opposés, enfin qui disent autre chose. Mais c'est pour ça qu'on conseille de faire quelque chose qui te passionne. Parce que si ça ne te passionne pas, tu ne vas jamais vouloir travailler plus. C'est pour ça, par exemple, dans ton job, dans ton travail, tu n'as pas envie de travailler plus parce que ça ne t'intéresse pas en fait. Mais si jamais tu es dans un travail, par exemple, qui te plaît, bah, tu vas voir que faire des heures, en fait, ça te posera pas de problème parce que tu es bien en fait. Donc, c'est le principe pour ça. Donc, voilà, ça c'était la petite parenthèse. Ok, mais non, les millionnaires n'ont pas de chance, ils ont juste bossé, ils ont juste travaillé. Tu vois, c'est comme un gars qui a un corps qui est bien ou une fille qui a un corps qui est bien, c'est pas le hasard, c'est pas de la chance, tu vois. Comme il dit mon ami Arnold, Arnold Schwarzenegger, personne devient riche juste par accident. Ces gens, ils marchaient comme ça, hop, ils sont devenus riches. Non, 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 il y a personne comme ça. Non. Ça tombe pas du ciel. Troisième mythe, les millionnaires font des investissements risqués. Alors ça, c'est complètement fou.
Parce que s'ils faisaient des investissements risqués, ils seraient pauvres, tout simplement, tu vois. Parce qu'ils perdraient leur argent. Non, le millionnaire fait vraiment des calculs et calcule vraiment la rentabilité avec le risque, tu vois. Donc, il faut savoir que si jamais la rentabilité, elle est super élevée, tu vois, et qu'on te dit qu'il n'y a pas de risque, le gars, il y a un truc qui ne va pas. Tu vois, dis-toi ça. Ça, j'aurais bien mieux qu'on me le dise il y a longtemps. Si jamais tu as une haute rentabilité et quand tu poses la question, mais est-ce qu'il y a un risque? On te dit non, il n'y a pas de risque. Bon, alors là, tu sais que tu as un problème. Tu vois, j'ai même envie de te dire, c'est une arnaque. Tu vois, c'est pas possible. C'est pas possible, en fait. En tout cas, c'est pas possible. Tout simplement. OK? Donc, en gros, le millionnaire, il est toujours en train de jauger pour voir la rentabilité, le risque, d'accord? Il essaie toujours d'avoir, même s'il ne faut pas avoir grand-chose comme rentabilité, mais il préfère avoir une rentabilité qui est certaine avec le moins de risque, tu vois. Donc un millionnaire, par exemple, s'il a 1 million, 2 millions, s'il peut avoir un placement à 6% ou même 7%, j'allais même dire 6% net, d'accord, il peut placer 1 million et il sait qu'il n'a pas de risque, c'est OK, tu vois. Il ne va pas chercher à faire un 10, un 14 %, un 6-7%, c'est sûr, d'accord. Il sait que voilà, son argent ne va pas bouger. T'inquiète pas que ça lui fera bien plaisir, il sera bien content. En tout cas, c'est ce qu'il cherche. Okay? Donc non, les gars, les millionnaires ne prennent pas des risques avec leur argent. Enfin, des risques non calculés. Cinquième mythe, les millionnaires ont des gros diplômes, ont des grands diplômes. C'est statistiquement, en fait, il y a 10% personnes qui sont millionnaires qui ont un diplôme universitaire. Je pense que ça se passe de commentaires. Je pense qu'il n'y a plus rien à rajouter. Donc ça, c'est un mythe. Hein. La plupart des entrepreneurs, de toute façon, n'ont pas de diplôme. D'ailleurs, c'est souvent le fait, parce que tu sais que l'école, en fait, te forme à devenir un salarié. Donc, c'est même plus tu as des études, plus c'est compliqué pour quelqu'un qui a vraiment de hautes études de basculer sur l'entrepreneuriat. Parce qu'il a tellement été formaté que c'est quand même compliqué pour lui de changer, de permettre son statut. Je sais pas s'il a un doctorat, tu vois, ça va être difficile pour lui de dire bon, maintenant je bascule sur l'entrepreneuriat. En général, c'est beaucoup plus compliqué. Donc concrètement, ça, c'est un gros mythe. Hein, voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Comme dit le philosophe, les hommes mentent, mais les chiffres ne mentent pas. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc n'hésite pas à t'abonner si jamais c'est pas encore fait. Laisse-moi un j'aime, laisse-moi un j'aime pas parce que tu es un rageux. Et si jamais tu es coach, consultant, d'accord, tu as une expertise dans l'immobilier, le trading, les relations, la santé, la masterclass, elle est faite pour toi. D'accord, elle est faite pour toi. Mes clients qui suivent cette masterclass ont des gros résultats rapidement. D'accord, c'est la stratégie que je conseille pour les gens qui ont déjà une expertise pour pouvoir développer un business, que ce soit à court terme, à moyen terme ou à long terme, et faire rentrer du cash le plus rapidement possible. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de meilleure stratégie. Ok, donc clique là, sous le lien, c'est offert, c'est gratuit, il n'y a rien à vendre à la fin du webinaire. Ok, juste du contenu, les gars. Donc, fais-toi plaisir. Par contre, si jamais tu n'as pas d'expertise et que tu voudrais créer ton business en ligne, d'accord, business en ligne, c'est-à-dire que je ne fais pas de dropshipping, ok, c'est pas moi qu'il faut venir voir, mais si jamais tu veux être infopreneur, vivre de ta passion, dans la description, j'ai une formation qui est offerte. Donc voilà, il y en a pour tout le monde. Pour les gens qui ont déjà une expertise que j'ai citée précédemment, et si tu n'as pas d'expertise, on peut voir ensemble pour comment créer ton business en ligne. Et tout ça, c'est offert, les gars. Donc on passe à l'action, les gars. Vous n'avez plus d'excuses maintenant. Les gars, on reste déterminés. On lâche rien.